Bonjour à tous, nous sommes le 18 juillet 2024, il est 15h34. J'ai acheté une nouvelle caméra. Celle d'avant c'était une DJI Osmo Action 1. Et là j'ai acheté, je l'ai reçu hier, une DJI Osmo Action 3. Donc je la teste aujourd'hui. Malheureusement, je suis sur la ligne 3. Mais il y a une belle déviation là. Je vous ai déjà fait la ligne 3 la semaine dernière. Il y avait une première déviation et là, la déviation qu'on prenait, la route est barrée, donc on a une autre déviation. Uniquement pour faire un arrêt, c'est un peu relou quoi. Une déviation comme ça pour faire un seul arrêt, mais bon. On va voir ce que donne la DJI Osmo Action 3. Alors il faut savoir que sur cette caméra, je n'ai pas encore de filtre. Sur l'autre caméra, j'avais un filtre CPL, c'est-à-dire un filtre pour les ultraviolets, les réflexions de lumière dans les vitres, tout ça. Donc là, celle-là, elle est toute neuve. J'ai pas encore de filtre, rien du tout. Donc c'est la vidéo sera d'origine totale. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait un premier essai tout à l'heure, malheureusement il fait chaud, la caméra surchauffe et du coup elle s'arrête toute seule. Donc si je ne vais pas au bout de cette vidéo, ce sera à cause de la surchauffe. Et du coup, je me dis que j'aurais dû acheter peut-être autre chose. On verra bien. Alors j'ai été voir sur internet, il y a des gens qui disent que elle surchauffe quand on filme en 4K, mais que quand on filme en 1080, en HD, ça surchauffe pas. Donc là je filme en 4K, on verra bien. Alors, j'ai acheté ça parce qu'elle était censée être plus performante que l'ancienne. Effectivement, ils ont amélioré la batterie. La batterie est censée durer environ 150 minutes, alors qu'avec l'autre, ça durait quoi, 45 minutes. Et elle peut filmer en 4K. Jusqu'à 120 images secondes. Et sur l'ancienne, il y avait le stabilisateur chez DJI. Le stabilisateur s'appelle Rocksteady. Alors sur celle-là, bien sûr, il y a aussi le stabilisateur Rocksteady, mais il y a Rocksteady Plus. Donc ça devrait mieux stabiliser, je pense, j'espère. On verra bien. Donc si la vidéo s'arrête, si la caméra chauffe et qu'elle s'arrête en cours de route, je vous mettrai quand même la vidéo. Mais elle ne sera pas, vous n'aurez pas la ligne complète. Voilà. À ce moment-là, si elle s'arrête en cours de route, je remettrai en route, je la laisserai refroidir et je remettrai en route pour filmer cette déviation. Il fait 30 degrés là dehors. On dirait que l'été est enfin arrivé, mais on va pas parler trop vite parce que il pourrait très bien tomber des cordes encore. Alors cette caméra aussi, oui, elle a un enregistrement, il y a deux micros, donc elle enregistre en stéréo. Je vais pouvoir enfin lui rajouter un micro externe que je pourrais accrocher à mon col de manière à l'avoir sous le menton et comme ça je serai plus obligé de parler trop fort pour que vous puissiez m'entendre.
Mais bon, j'ai déjà investi dans cette caméra, donc pour l'instant, je vais arrêter les frais. Je vais attendre un mois ou deux avant d'acheter d'autres matériels. Et il va falloir aussi que je change mon support ventouse, parce qu'en fait, j'ai remarqué que il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup, du coup, ça secoue l'image. Donc, c'est aussi pour ça. C'est aussi à cause du support qu'il y a beaucoup de tremblements sur la vidéo. Il faudrait que j'arrive à trouver un support en métal. Parce que celui-là est en plastique, il y a plusieurs articulations. Et donc, avec le poids de la caméra et les secousses, ça secoue. Voilà. Donc, c'est pour ça que sur les vidéos, on a des secousses. Étant donné que les routes ici sont en mauvais état. Alors tout à l'heure, lorsqu'elle s'est arrêtée, elle a surchauffé, elle s'est arrêtée, mais il faut savoir aussi que je l'avais branchée sur ma batterie externe de manière à ce qu'elle ne se décharge pas, et je pense aussi que c'est la combinaison recharge et vidéo en même temps. Peut-être que c'est à cause de ça qu'elle a surchauffé. Alors sur l'ancienne caméra DJI Osmo Action 1, il y avait un réglage justement spécifique à la température de la caméra. Il y avait le seuil de température, on pouvait régler le seuil de température à normal ou à élevé. Parce que la première que j'avais, la première DJI, elle s'était aussi au début, elle s'arrêtait toute seule à cause de la surchauffe. Et en fouillant dans les réglages, j'ai vu qu'on pouvait régler le seuil de température plus haut. Donc après, ça s'est bien passé, ça s'arrêtait plus. Mais dans la DJI Osmo Action 3, il n'y a pas... ce que je vous disais est arrivé. Quand je vous parlais de la température, là, paf, la caméra s'est arrêtée. Surchauffe. Donc ça a duré quoi 5 minutes je pense, puisque je suis parti à 35 de turbotine. Le temps que j'arrive à la roue, il était 40, donc 40, 42, quelque chose comme ça. Ça a duré 5-6 minutes, puis elle s'est arrêtée, donc elle chauffe trop. Là j'arrive au terminus de la ligne 3 à Fontaine. Donc je viens de remettre en route la caméra là. Je vais contacter le fabricant là où je l'ai acheté. Et puis je vais essayer de la renvoyer parce que c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai regardé un peu sur internet vite fait quand j'étais tout à l'heure là. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. J'aurais dû regarder avant. Je vais essayer de la renvoyer. On va bien voir. Comme je l'ai acheté sur le site officiel DJI, je pense que peut-être qu'ils me feront pas trop de problèmes. Malheureusement, j'ai un peu esquinté la boîte. Donc on verra bien. Voilà, j'arrête la caméra pour la laisser refroidir et je la remettrai en route juste avant d'arriver sur la déviation. Donc voilà, normalement ici on tourne à droite, mais là on peut pas, donc on ne peut pas passer à l'hôpital. Et du coup on doit tourner à gauche. Pour faire tout un détour. Tout ça pour faire uniquement un arrêt, l'arrêt 4e RI, 4e régiment d'infanterie. J'espère que la caméra ne va pas s'arrêter en cours de route.
ici on est sur l'itinéraire de la ligne 2. La déviation est la même dans les deux sens. Bon, c'est quand même dommage cette histoire. Ouais, ligne 3, je veux bien. Ouais, on va bien vers les autres qui passent à la tribune. Donc là, droite. Ouais, je disais c'est dommage, parce que d'après ce que j'ai pu voir sur internet, cette caméra elle a quand même une qualité d'image exceptionnelle. Bon, l'eau, celle que j'avais avant, elle faisait déjà de la belle image, mais là il paraît que c'est encore mieux, donc bon, c'est dommage. Tout ça pour faire cet arrêt là. Ah, et la dame qui attend l'arrêt, je crois que c'est parce qu'elle a... Elle a perdu un truc tout à l'heure en descendant, je l'ai à côté de moi. Ah, c'est l'été, il y a des travaux partout. C'est vraiment le bazar. Merci, j'ai fait demi-tour. C'est qui? C'est un client qui voulait? Ouais, c'est une dame. Elle, quand vous êtes descendu, elle l'avait tombé, elle me l'a donné. J'ai dit, oh putain, non. J'ai dit, bon, ben, je vais faire. C'est pas perdu, c'est pas perdu, vous inquiétez pas. Ouais, mais vous aurez fait comment pour me reconnaître? Ah, mais je savais que c'était vous. Oui, mais vous aurez fait comment? J'aurais pu faire comment pour le récupérer? Au dépôt. Bah, c'est pour ça que j'ai fait demi-tour, merci. Ouais, parce que le dépôt, il est plus au même endroit qu'avant, donc il est dans la zone industrielle de la plaine des îles. Oh, bah, j'ai eu de la chance. Merci. Voilà, elle a récupéré son truc, petite robe. Bon là, ça tombe toujours, a priori. On va voir combien de temps ça dure.
ce qu'il y a de bien, c'est que quand elle s'arrête, la caméra, elle me fait une petite musique. Donc je le sais quoi. Mais bon, je peux pas la remettre en route tout de suite, elle s'arrêterait aussitôt. J'ai 3 brevets. Ouais, t'écoutes. Ouais, j'arrive au pôle d'échange. Ok. C'est bien, on m'a ramené deux bouteilles d'eau bien glacées.